Le 8 septembre 1943, 4 ans et 8 jours après la déclaration de guerre, à Piombino, rien n'était arrivé. Oui, c'est vrai, il y avait le camouflement. La ville, la nuit, n'était pas illuminée. Un nombre de jeunes, ils avaient été rappelés sous les drapeaux. Les anglo-franco-américains, ils avaient débarqué en Sicile. Mussolini n'était plus le chef du gouvernement. Mais à Piombino, rien n'était arrivé de spécial. Un nombre de villes italiennes, telles que Naples, Gênes, Rome, Palerme, Turin, Milan, Civitavecchia, Grosseto, Terni, elles avaient été bombardées. Mais à Piombino, malgré les installations métallurgiques de l'Ilva, rien n'est arrivé. De temps en temps, là-haut, il y avait une alerte aérienne. Et là-haut, dans le ciel, tout haut, lointain, un appareil de reconnaissance. Et puis, plus rien. Le 8 septembre 1943, la radio avait annoncé que l'Italie avait signé l'armistice avec les Alliés. Elle avait en même temps annoncé un nouveau débarquement anglo-américain à Salerne. Ce débarquement semblait enlever aux Allemands toute velléité de résistance en Italie. Tu verras ce que je t'ai dit, ils vont s'en aller sur la pointe des pieds. Si c'était ça, pourquoi la radio a suspendu ses émissions? J'en sais rien, comment veux-tu que je le sache? Mais je te dis qu'ils décampent, les Allemands, ils foutent le camp. Écoutez, hier soir, pendant des heures, la radio de Milan a répété cette annonce. Veuillez rester à l'écoute, d'ici quelques minutes, le général Vatan, à la paix, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, va lire un important message à toute la population. Et puis, après ça, silence. Et tout. Ben, qu'est-ce que c'est de drôle? Ben quoi, il faisait le signal de la radio de Londres? Non, pas le signal, l'indicatif. Moi, j'ai entendu dire que la radio française a annoncé que le roi s'était enfui à Pescara. Pourquoi il s'enfuirait? C'est pas son habitude. Oh, mais regardez où? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Les Américains. C'est les Américains. Les Américains. Les Allemands. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Les Allemands. Oh, les forces armées italiennes placées sous le commandement du général Badoglio ayant été écrasées, les Allemands occupent Piombino et les établissements métallurgiques de l'Ilva. Possession de cette aciérie dont je deviens le maître au nom du gouvernement du Reich. Vous continuerez à travailler ici et vous nous garantirez le parfait fonctionnement de toute l'affaire. Nous garantissons d'autre part de maintenir les conditions de votre travail. Les employés et ouvriers passeront sous la dépendance de nos services et de notre organisation. Il va de soi que tout ralentissement injustifié dans le rythme du travail et de la production sera puni avec la plus grande rigueur. Tout acte de sabotage entraîne pour celui qui s'en rend coupable, selon les lois du Troisième Reich, la peine de mort. Veuillez donner les ordres et prendre toute disposition pour que mes hommes soient en mesure de contrôler tout le cycle productif de l'établissement. La production est réquisitionnée par les forces armées et l'organisation de travail du Reich. Les alliés et les troupes italiennes fidèles au gouvernement du roi, qui tiennent la Sicile et toute l'Italie méridionale, avancent de Naples vers Rome. Cependant, Mussolini, qui a instauré dans le nord la République sociale italienne, veut reconstituer une armée. Il appelle sous les armes tous les Italiens valides de cette partie de l'Italie occupée par les forces germaniques. Mais tous les jeunes gens et les hommes, bien que risquant la peine de mort, au lieu de répondre à cet appel, abandonnent leur maison et se cachent dans la montagne, où ils vont former les centres de résistance partisane. Voir qui c'est.
Bonsoir. Je vois que je suis un peu en retard. C'est toi. En fait, ça ne fait rien. Comment ça fait rien? Ils viennent de terminer leur émission au grec. Ils vont donner la suite. C'est difficile de retomber dessus après, hein? Tiens, si tu veux le mettre plus fort. Tu le trouves ou tu le trouves pas? Tais-toi, je vais suivre. Allô, allô, ici Londres. C'est le colonel Stevens qui vous parle. Notre émission de ce soir débutera par les messages spéciaux que voici. La barbe du voisin est rousse. Ciel rouge au couchant. Espoir de beau temps. Avec du temps et de la paille, les sorbes mûrissent. Ici aussi, commencent les bombardements anglo-américains. Par ordre de la commandante tour allemande en Italie, les populations devront évacuer les villes, les villages et les maisons situées dans les zones côtières sur une profondeur de 20 km. Afin d'éviter que les machines ne soient détruites comme le reste par les bombardements indiscriminés accomplis par les barbares américains, nous allons les démonter pour les mettre en sûreté.
Afin de dégager votre responsabilité, nous vous donnerons un reçu pour chaque pièce, moteur ou matériel que nous transporterons autre part. Que puis-je dire? Chargement 48, ça va. Contrôle. Chargement 78, bon, ça va. Ah. J'ai fini par savoir ce qui se passait. Ma tante Léa, qui a été évacuée à Castelnuovo de Garfagnana, m'a écrit ce matin même qu'elle avait appris avec certitude que le matériel enlevé d'ici par les Allemands avait été transporté entièrement stocké à la gare d'Apuania. Mais enfin, pourquoi à Apuania? Je vous l'avais dit, monsieur, les chauffeurs des camions ont toujours parlé d'Apuania. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suppose que vous avez présent à l'esprit la géographie de la région. Où veulent-ils emmener tout cela? Par chemin de fer de la Spezia à Gênes. Bon, mais pourquoi choisir justement une voie ferrée qui longe la côte et qui est une des plus exposées aux mitrailleuses et aux bombes des chasseurs anglo-américains? Il y a des tunnels, des centaines de tunnels jusqu'à Gênes où un train peut s'abriter. À moins qu'ils ne veuillent expédier le matériel par Tsarzana et Parme, ensuite Parme-Vérone et de là vers l'Autriche par le col du Brenner. Ne dis donc pas de bêtises. Est-ce que tu as vu l'itinéraire? Il faut traverser tous les Apennins et la vallée du Pô ensuite. Tu t'imagines que le convoi arriverait jusque dans le nord avec des centaines de kilomètres sans aucun abri? Il serait une cible merveilleuse pour l'aviation anglo-américaine. Oui, bien, ça va, ça va. Il faut d'abord découvrir pourquoi les Allemands ont accumulé tout le matériel à Apuania. Et pourquoi la gare de chemin de fer? Si vous voulez, je vais aller voir. Et comment? En pédalant. Il n'y a pas d'autre transport que la bicyclette. Mais vous êtes champion cycliste? Ça, je commence à le devenir, comme tout le monde. Mais tu te rends compte que d'ici à Apuania, il doit y avoir 130 ou 140 kilomètres? Mais oui, ça, je sais. Et puis il y a les barrages, tu oublies que les Allemands ont barré toutes les routes de la région. Eh bien, il faut lui faire délivrer un permis de circuler par le major Pfeiffer. C'est le seul moyen, mais ça m'étonnerait que ça marche. On vient de m'apprendre que tout le matériel que vous aviez réquisitionné ici se trouve actuellement stocké à Apuania. Et alors? Eh bien alors, rien. Nous aurions simplement désiré le contrôler. Mais le contrôler, pour quoi faire? Comme ça, pour savoir. Nous avons des responsabilités envers nos dirigeants. Ainsi, vous croyez que nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'en prendre soin? Non. Si, si, je sais que vous en prenez grand soin. Mais je vous demande de chercher à comprendre ce que sont nos devoirs et aussi quel est notre état d'esprit. Très bien, très bien. Et alors quoi? J'aimerais envoyer un de mes hommes sur place. Par quel moyen? À bicyclette. Et si vous vouliez bien lui fournir laissez-passer ou bien... Ja, c'est facile. Bon, merci. Menge, schreiben Sie einen Passierschein. Ich unterzeichne. Allez, mon vieux, pédale, pédale. Hey, pédale, ça développe les mollets. Thank you.
Y a quelqu'un? Oh, y a quelqu'un? Alors, répondez, quoi? Vous êtes tous sourds? Oh, il y a quelqu'un? Vous décidez à vous montrer? Ah, tout de même. Ben, c'est pas malheureux. Remarquez, je sais bien que par les temps qui courent, on a intérêt à suivre personne. Excusez-moi, mais j'ai faim. Et si vous aviez un petit quelque chose à manger? Non, non, j'ai rien du tout. Je suis vraiment désolée, mais ici, nous n'avons rien. Ah non, mais en payant, bien sûr. Vous savez, je ne demande pas la charité. Hein. Non, non, nous n'avons rien, je vous le répète. Nous n'avons absolument rien. Enfin, vous avez bien un petit morceau de pain, juste pour me caler l'estomac, non? Je viens de Piombino, comme ça, alors je suis complètement ratatiné, je suis crevé. Je vous dis qu'on n'a plus rien, même pas un crouton de pain, rien. Ils ont emporté tout ce qui restait chez nous, tout. Qui, ils? Ben, ceux... comment qu'on les appelle, donc... Les Allemands? Oui. Non, non, comment qu'on les appelle, déjà, les... Les fascistes? Non, non, enfin, ceux du ravitaillement, ah, quoi. Ah, ceux du ravitaillement, oui. Est-ce qu'au moins vous me permettez de prendre un petit peu d'eau? Oh oui, allez-y, bien sûr. Merci. Eh ben, mon vieux, faut pas être exigeant. Enfin, un peu d'eau, c'est mieux que rien. Hein? Monsieur. Bonjour. Vous êtes, paraît-il, de Piombino. Oui, madame. Que s'est-il passé là-bas? Depuis quand? Depuis le 2 octobre. Ah, il en est arrivé des choses. Bombardement, évacuation en ruine, etc., etc. Dites-moi, vous venez de la ville même de Piombino? Oui, je travaille à l'Ilva. Et comment vous appelez-vous? Montagnani. Montagnani? Mais je connais très bien une famille de commerçants de ce nom. C'est mon oncle. Eh oui, c'est l'oncle Aristidem. Oh. Via Carlo Pizzacane, numéro 102. Oh, mais alors il n'y a pas de doute, vous êtes le fils de... Giuseppe. De... C'est ça, Giuseppe? Eh, vous connaissez bien la famille. Hein? Mais alors toi, Mario. Tu es... Mario! Mon Dieu, Mario! Eh bien, par exemple! Mais tu ne sais pas que je t'ai fait sauter sur mes genoux quand tu étais petit, tout petit garçon. Allez, viens vite, viens. Elisa! Oh, Elisa! Gino! Onorato! Venez voir un peu qui est là! Venez! Par la Madone! Oh, les enfants! Venez, venez vite voir qui est là! Les enfants! Venez vite! Venez! Et vous ne voyez pas qui c'est? C'est le fils de Giuseppe Montagnani, le neveu du vieil Aristodème, et vous ne vous souvenez pas de lui? Non, c'est vrai, non, non, vous ne pouvez pas vous souvenir de lui, parce que vous étiez trop petit à l'époque où nous sommes partis de Piombino pour nous installer à Rome. Et oui, parce que, il faut que je t'explique, mon mari était un gros bonnet. En ce temps-là, il faisait partie de la Fédération du Fascio. Mais attention, de la Fédération Provinciale de l'Agriculture. Et alors, nous avons déménagé et nous sommes restés des années à Rome. Mais après, surtout depuis les bombardements de la capitale, nous avons pensé qu'après tout, il valait mieux retourner dans notre pays. Mais entre dents, entre. Ne restons pas ici, c'est pas la peine qu'on nous voie de la route. Allez, viens, viens. Giuseppe, va ranger sa bicyclette. Va. Tu sais, on reste tout le temps enfermés là-dedans. On se cache.
avec tous ces malfaiteurs qui rôdent dans la région. Honorato, va donc appeler les autres. Tu comprends? Nous cachons aussi trois officiers anglais qui avaient été faits prisonniers et qui se sont évadés. Évadés du camp de prisonniers après le coup du 8 septembre. C'est une bonne chose de les avoir là. Le jour où la guerre finira, ça peut être utile, hein? Oui. Tu comprends? Mais mon dos, mon mari sera content de voir, il s'ennuie tellement ici. Sortez, venez, il y a quelqu'un qui arrive de Piombino. Giovanni, Enzo, sortez. Allez, tout le monde en haut, montez. En haut, tout le monde, dépêchez-vous, allez. Avoir les poumons de Bartoli. Paraît qu'il pompe 5 litres d'air à chaque respiration. Je sais plus où j'ai lu ça. 5 litres d'air. Et puis j'ai les jambes qui commencent à en avoir marre. J'y vois plus clair tellement je suis fatigué. Et puis tellement j'ai faim. Camarade. Nein, weg! Ah, j'ai un permis spécial. Nein, weg! Papier. Hein? Hallo, komm mal her! Ja! Was ist denn los? Komm! Wer das Velo? Vorwärts. Un Italien a rendu rate un Ausweis. C'est un permis signé du major Pfeiffer. C'est le commandant de la place forte de Piombino. Le major Pfeiffer, c'est... Taisez-vous! Comme le prouve cette lettre, commandant, j'ai la permission de contrôler le matériel que les forces armées du Reich ont réquisitionné et enlevé de l'Ilva à Piombino. Kurt! Kurt, bring diesen Kerl heraus und zeige ihm das Material der Ilva-Werke. Das Material ist schon auf den Zügen nach Deutschland geladen. Geh mit. Danke schön. Apporte tout matériel nach Deutschland. Deutschland? Ja, Deutschland. Kommen Sie jetzt mit.
Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais quelque chose à boire. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, n'importe ce que vous voulez. Vous savez, un bon verre d'eau fraîche? Oh, ben non, un petit peu de vin. Mais vous ne savez donc pas que le couvre-feu maintenant est fixé à partir de 5h30? Ah, c'est ça. Oui, bien sûr. Et je suis obligé de fermer, moi. Vous ne savez peut-être pas non plus qu'il y a eu en ville un attentat terroriste et qu'on ne sait quel fou criminel ont lancé des bombes contre un cantonnement de l'armée allemande. Et que naturellement, ça retombe sur nous, pauvres innocents. Et que c'est pour ça qu'ils ont avancé le couvre-feu. Vous faites également hôtel, si j'ai bien compris. Ah, oui, bien sûr, mais... Ah, comme justement, je cherche une chambre pour passer la nuit, je pensais que... Ah, malheureusement, il n'y en a pas une de libre. S'il y a le couvre-feu, comment est-ce que je vais faire? Quoi, vous ne saviez pas qu'il y avait le couvre-feu? Bah, comment vouliez-vous que je le sache? Je suis de Piombino et puis je viens de moi, vous comprenez, alors je... Oui, d'accord, mais ça ne change rien, je n'ai pas de chambre libre. Je ouais, vous le répète, j'en ai... Et puis les gens qui n'ont pas de papier en règle, moi, il n'y a rien à dire, je ne l'ai logement. J'ai même un laissez-passer allemand qui m'autorise à aller à Poigne par la route que je voudrais. Bon, eh bien, je vais aller voir ce que je peux faire. Allez vous installer dans le restaurant et puis, ma foi, on verra bien après. Je vais rentrer ma bicyclette parce qu'elle est... Oui, c'est ça, bien sûr. J'ai déjà répété 100 fois de ne pas faire entrer quelqu'un d'étranger, surtout en fin de journée, voyons. Tu l'as vu entrer comme moi, et avec ce couvre-feu, je pouvais pas l'envoyer, non? Va lui demander ses papiers d'identité, ça vaudra mieux. Ah oui, t'énerve pas, je vais y aller. Moi, le Falbebel, il me payait toujours en marque. Oh, bien sûr, hier, il m'a donné des dollars. Oui, ma petite. C'est sûr que c'est vrai. On va s'occuper de la porte-monnaie qu'on a dit. Moi, je m'en fous, je fais ça pour l'art. Pour l'art. Je suis pas une femme d'argent. Oh non, je m'en... T'as donc pas de famille? Oh, ça va. Tiens, v'là un gars qu'on connaît pas. Il est pas trop moche, ça me changerait. Si vous me montriez un peu vos papiers. Oui, d'accord, je vais vous les montrer, mais est-ce que vous avez trouvé un moyen de me loger? Non, pas encore, mais je vais voir ce que je peux faire. En attendant, si jamais la police s'amène et vous trouve ici après le couvre-feu sans que vous soyez inscrit sur mon registre, on passera un sale quart d'heure tous les deux. Il me rappelle quelqu'un que j'ai aimé à la folie. Et qu'est-ce qu'il y a, celle-là? Qui c'est ces filles-là, hein? Des clientes. C'est des dames des officiers et sous-officiers allemands de la ville. Mais elles sont italiennes. Ah oui, alors. Alors, tu les as? Oui, oui, nous voilà. Ça te paraît régulier, ce tampon? Oui, tout ce qu'il y a de plus régulier. Dave, vous auriez pas aussi quelque chose à manger par hasard? À manger? Ouh, c'est pas le plus facile. Est-ce que vous avez des tickets? Ah oui, oui, j'en ai. Seulement, j'ai déjà utilisé la moitié de mes rations du mois. Si vous n'avez pas de tickets, hein, rien à faire. Vous savez, ici, nous ne faisons pas de marché noir. Dommage. Tenez, en voilà les tickets. Et puis, ils sont bons, hein. Donnez-moi ça, je vais m'occuper d'arranger quelque chose. Ce soir, du moins. Nous, nous faisons tout dans les règles, vous savez. Tenez, passez dans la salle. Oh, je vous remercie beaucoup. Oh, de rien. T'es pas malade, non? Tu trouves que c'est pas assez embêtant d'avoir un étranger ici? Qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Du pain blanc et des saucisses, de Vanstel. Rien que des trucs qui viennent des Allemands. Hein. À propos, tu sais que dans la maison, on ne fait pas de marché noir, je te rappelle. Ben, j'ai rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette saloperie de pain qu'on donne avec les tickets, j'en achète pas, moi, alors. C'est ça, mais t'en as pas besoin, puisqu'on est là pour te nourrir, hein. Allez, va un peu voir ce qu'il a dans sa sacoche. Moi, en attendant, je vais l'occuper à côté. Je vais vous faire servir du pain blanc et des saucisses grillées. Ça sort de mon propre garde-manger. Parce qu'ici, on n'a rien. Et comme on tient à être en règle. Merci. Vous êtes bien gentil, mais je ne voudrais pas vous priver. De rien, de rien. C'est une personne qui m'en a fait cadeau, alors. Ah, bon. Et je vous ai trouvé une chambre aussi. Une de mes amies a téléphoné qu'elle était bloquée par le couvre-feu et qu'elle allait passer la nuit chez quelqu'un. Comme ça, vous pourrez dormir dans un bon lit. Merci. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Si je n'avais pas rencontré ce soir une bonne fée comme vous... Mais ce que je vous conseille, c'est de monter dans votre chambre aussitôt qu'on vous aura apporté à manger. Ah oui, pourquoi? Bah, n'est-ce pas, un peu plus tard, il va venir quelques officiers, quelques amis de ces demoiselles. Alors vous seriez peut-être un petit peu gêné d'être... Eh, je comprends, vous avez raison. Encore merci, ma bonne fée. Mais comment vous appelez-vous? Dino! Dino! J'arrive! Dépêche-toi parce que le monsieur est fatigué et il veut dîner dans sa chambre. Ah ben non, je suis pas pressé. Ouais, monsieur. Ouais. Ah bon, merci. Bonne nuit. Hein? Je vous précède, hein? D'accord.
Pardon, monsieur, vous qui êtes de Florence. Par où est-ce que je peux entrer dans la gare? Parce que par là, vous pouvez pas vous tromper. Merci. Halt! Il faut que j'entre dans la gare. Nein! Regardez, j'ai un permis spécial. Nein! Mais tout en règle. Nein! Abfahrt! Weg! C'est vrai, ça. Et la saccharine, ils en ont de la saccharine à la campagne? Bah, ils ont du lait, ils ont des œufs. Tu parles, on leur prend le peu qu'il leur reste. Oh. Et comme ils ont des amis ou des parents réfugiés, on leur prend tout. Ici, au moins, il y a le marché noir. Oh, hein. Le marché noir. Oh, je dis pas qu'on est des trafiquants, mais on se débrouille. Oui, on est chacun pour ça. Oui, permettez. Mais merci à toi, mon gars. Dites-moi, il n'y a pas moyen d'entrer dans la gare? Ah non, on ne peut plus entrer. Pourquoi? C'est défendu par les Allemands. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus de train. Comment ça, il n'y a plus de train? Tout ce qui était wagon civil a été converti en matériel militaire. Ah, je comprends. Mais écoute un peu, je suis ouvrier, je suis un travailleur comme toi. Je suis un employé de l'ILVA, à Piombino. Ah. Les Allemands ont tout réquisitionné. Dans les règles, c'est entendu, mais ils ont tout embarqué. Ils ont chargé ça sur des camions et au revoir. Tu sais peut-être que l'établissement a été à moitié détruit par des bombardements. Mais il restait des moteurs électriques, des machines de toutes sortes, du matériel récupéré dans les décombres. Au commencement, ils ont stocké le matériel à Poigne. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et plus tard, ils l'ont chargé sur un train qui est venu ici, qui doit être dirigé sur le Brenner et l'Autriche. Et alors? Alors voilà, j'ai été envoyé par la direction de l'ILVA avec mission de suivre ce matériel. Et je risque ma place, tu comprends, si je laisse... Mmh. Ouais. Si j'ai bien compris, tu veux savoir si ce train spécial allemand transite par Florence. Ah oui, c'est ça. Et savoir ensuite où ils vont envoyer, bien sûr. Alors va m'attendre dehors. Après, t'aurais qu'à me suivre. Mais de loin. Déjà.
Bon, ben, t'es chic, vieux. Merci. Te fais pas repérer, hein. Non, sois tranquille. Ce passage inférieur. Tu traverses, tu tournes à gauche et après tu longes le talus de la voie ferrée jusqu'au poste d'aiguillage. Tu te caches bien et tu m'attends. Et puis? Après je te ferai signe, les Allemands sont dans le secteur. Allez, va. Assieds-toi. Comment est-ce qu'on peut savoir si le train de la poigne est arrivé? S'il est arrivé, il doit faire halte ici, c'est la gare de marchandises de Florence. Et s'il est reparti? Ah, s'il est reparti, il est reparti, il n'y a plus rien à faire. Ah, bien sûr. Alors, t'as une idée sur la question? Moi, je pense pas qu'il soit arrivé. Quand es-tu parti de la poigne pour venir ici? Mais rien, je suis parti de là-bas dans l'après-midi d'avant-hier. Oh, il n'y a pas de danger qu'il soit arrivé avec tout le désordre et tous les retards qu'il y a. Alors moi, à vélo et le ventre vite, j'aurais allé plus vite que le train. Oh oui, et sans battre de record. Allô, cabine 4, j'écoute. Non, rien à signaler, tout va bien ici. Vous savez le nombre de nuits que j'ai passé à dormir dans cette cabine? Ah, je m'en vais. Faut que je descende. Bon, eh ben moi je vais essayer de dormir. Je vais te passer en consigne à l'autre cheminot, celui qui va venir prendre Marley, un nommé Gino. Et toi tu reviens quand? Demain matin. Au pays d'ici là. Moi je vais lui dire un mot en partant. Salut. Bonne nuit et merci. Salut Gino. Salut Pete. En 29, mon oncle était cheminot aussi et antifasciste. On l'a arrêté, expulsé, interdit de séjour. Ça pesait lourd sur les épaules de chacun de nous. Alors moi, je me suis inscrit au parti fasciste. Mon père n'avait jamais obtenu d'avancement. On l'avait mis à la retraite, un point c'est tout. Et moi étant dans l'administration, qu'est-ce que je devais faire? J'ai adhéré. Après, il a fallu que je demande à être volontaire pour l'Éthiopie, pour l'Espagne,
C'était ça ou être foutu dehors. Et tout ça, maintenant, ça me retombe sur la gueule. Quand mon oncle est revenu d'exil, après le 25 juillet, il n'a même pas voulu me revoir. Peut-être qu'il avait raison. Mais moi, je sais que j'ai raison aussi. C'est vrai, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ayant mon père pratiquement à ma charge, avec ses 235 lires de retraite, ma sœur, ma femme, mes 3 enfants, qu'est-ce qu'on aurait voulu que je fasse? Allez, au revoir. Au revoir, Gino. Je t'ai dit au revoir, mais pas ce soir. J'espère bien que ce train arrivera dans la journée. Espère-le. Bonne chance. Salut, Pic. Salut, chef. Alors, Montagne, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Piki, le train est là, regarde, je l'ai reconnu. Non, toi, il faut pas que les Allemands te voient ici. Ah, mais cette fois, c'est bien lui. Et regarde, on reconnaît la forme des moteurs sous les bâches. Mais quand est-ce qu'il va repartir, tu le sais? Ah, j'en sais rien. Planque-toi, bon Dieu, tu vas me faire avoir des histoires. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Alerte, pardi, les Américains, on est repérés, on va déguster encore une fois. Où est-ce que je me planque? Sous le pont, cours sous le pont, vite! Regarde. Doucement, doucement, ne t'inquiète pas, ce qui est encore à faire. Prends-le par là. Attention! Le faites pas tomber, surtout. Attention, attention, arrimez-le bien, qu'il dégringole pas, surtout. Ah bon sang.
pouvez pas faire attention. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de travailler? Mais comment voulez-vous qu'on le sache? C'est la première fois qu'on nous fait faire ce travail. Ils nous ont arrêtés en pleine rue, alors vous pensez? Moi, je suis peintre de mon état et lui, il faisait du secret. En attendant, si vous continuez comme ça, vous allez tout démolir. Ah, mais je me demande un peu ce que ça peut vous faire. Ce que ça peut me faire? Eh bien, pour moi, tu sauras que c'est très important. Allez, viens là, viens là. Et puis, donne-moi un coup de main, allez. Allez, soutiens-le ici, autrement, tout va se foutre par terre, mon vieux. Et toi, attrape cette corde et tire. Et tous ensemble, tirez. Mais bon sang, quelle bande de ramollis, ces gars-là. Tirez. Attention. Doucement. Ne poussez pas trop fort par ici. Soutenez, là, là. Bon, maintenant, la corde, allez. Allez, faites-la passer de l'autre côté. Mais de l'autre côté, là. C'est pas le gars qui gueulait tellement à la gare ce matin? Si, c'est lui. On va prévenir Pépino. C'est un chalot collaborateur. Oh, Pépino! Cours, dépêche-toi! On vient de voir passer le gars qui donnait des ordres à la gare. Allez, vite! Voilà! Dépêchons-nous! Il faut le rattraper. Tu es sûr que c'est lui? Sûr et certain. Attends, on va lui faire passer l'envie de travailler pour les Allemands, à ce salaud, moi, je te le dis. D'accord, rattraper, on va le faire passer. Il dégage la route pour un convoi militaire. Allez, viens, restons pas là. Nulle part, même pas en Allemagne.